Mais t'es déjà là? Ah bah viens, 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 excuse-moi, j'étais en plein. Attends, je fais un peu de propre. Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre. Et bah je suis déçu. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu. Vous vous souvenez de ce petit pistolet? Le Borner PMX en 4-5 là. Vous vous souvenez de ça? Et il est cassé. Elle est cassée, la bestiole. Donc, écoutez, voilà. Alors, je suis toujours sur ma première idée. Vous savez, de toute façon, je dis les choses comme elles sont. J'aurais pu très bien dire, ouais, il est pété, et puis je vous dis rien, et puis allez l'acheter, courez. Non. Moi, j'ai adoré ce côté-là, où on insérait les bibises à l'intérieur et la cartouche de CO2. D'accord? Je vous le remontre. Vous allez mieux le voir, voilà. Donc ça, j'ai toujours adoré. Ça, j'avais vraiment aimé, voyez là. Le système, franchement, j'ai trouvé cool. Mais pas de souci, tu visais ta précision à 4 mètres. Enfin voilà, ça, c'était bon. Plastoc, c'était bon. 29 euros en promotion. Alors maintenant, j'ai vu l'augmenter un petit peu, les voyous. Victime de son succès, 39 euros, je crois. Réplique du Tokarev. Merci à toi Denis d'ailleurs de me l'avoir dit. Du coup, le PMX, c'était, vous savez, une petite vidéo pour les petits pistolets pas chers, pour l'initiation, tout ça. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis avec des amis, on est là, on se détend, on papote, hop, 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 et puis il y a la femme d'un ami qui vient, et puis qui a envie de tirer. Donc je lui dis, écoute, j'ai un petit modèle entre tes mains délicates et douces, qui peut te convenir, bonne prise en main, commence avec celui-là, et puis tu vois, après on voit. Et du coup, je lui passe, tu vois, je lui passe. Donc, alors, faut savoir qu'avec celui-là, j'ai tiré que deux chargeurs. Hein, j'ai fait que deux chargeurs. Après, j'ai enlevé la CO2, et puis voilà. Et donc, ce jour-là, où il y a la femme d'un ami qui vient, je lui dis, c'est celui-ci, il est cool, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, voilà, pour les petites mains, enfin voilà, ça va être sympa. Et en fait, le truc, c'est que elle l'a essayé, elle a tiré peut-être 5 fois avec. Et après, il s'est mis à faire des pets de. Hop, je te laisserai. Hein, il a bugué, tu vois. C'est-à-dire qu'après, au niveau de la valve, ou je sais pas, ou du CO2, ça fait. Je sais pas comment te montrer ça. Voilà. Tu vois, c'est quoi cette mitraillette de CO2 là? Il n'y a plus rien qui sort, tu vois. Donc du coup, on a changé la CO2, forcément. On a changé la CO2, on s'est dit, tiens, CO2 qui foire, de la merde, tu vois, on change. Et on a changé, et en fait, ça n'a pas arrêté, ça fait. Je fais, elle est en train de bugger là, le truc. Hein. Donc. Je vous montrerai pas ce que j'ai fait, parce que c'était pas. Mais ça m'a énervé. Donc les amis, aujourd'hui, je le ressors. Rien de particulier. Alors je sais pas si on va bien voir là. Mais vous voyez, rien de particulier. Voilà, j'ai même mis un petit peu de lubrifiant et tout. Enfin, tu vois, le truc qui passe crème, impeccable et tout. Non, ça se dit, c'est pas beau crème. Truc qui passe super bien. Et donc là, je vais remettre une CO2. On va voir ensemble. Je remets une CO2 et je vais voir le résultat. Parce que finalement, vous vous doutez bien que j'ai passé une soirée où ça foutait mal. Je donne un pistolet qui est maniable pour madame. Elle tire avec le truc. Au bout de 4 tirs, il foire. Bon. Si tu veux, tu vois, là, tes jouets, le ratel, ça va, quoi. Or que c'était quand même du principe, je crois que c'est celle-là. Or c'est quand même, c'était du principe de se dire que, t'as l'initiation, on fait tirer avec des objets pas chers, tu vois, comme ça, au moins, c'est accessible à tout le monde est heureux et content, enfin, tu vois, le truc super sympa, quoi. Putain, pour le coup, là. Autant mon XBG, je l'ai encore de chez Umarex, le Tornado aussi. Celui-là, il a pas. Voilà. Donc, on va le faire ensemble parce que ça se trouve. Vous vous doutez bien que là, je fais une vidéo en live. Hein.
Je l'ai pas refait depuis, je l'ai pas repris, j'ai pas regardé, j'ai pas. Voilà, de toute façon, il n'y a rien à regarder, c'est claqué, c'est claqué. Mais on va voir si elle fonctionne ou pas, parce que du coup, peut-être que c'était nous. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Le mojo était pas bon, tu vois, mauvaise onde et tout. Donc, CO2. Hop! Vous avez entendu? Est-ce que je m'amuserais à mettre 3-4 billes? Oh, allez, soyons fous, allez, on va se mettre 3-4 billes. Donc la CO2, elle a pris, hein. Mais ça, la CO2, elle a pris, enfin, c'est impeccable, hein. Allez, moi, je mets juste 2-3 billes, hein. Je vais pas le charger entièrement, parce que sinon, voilà. Toi, tu vas voir, pour le coup de la vidéo, le truc, il va remarcher. Putain, là, tu dis que de la merde. Donc là, hop, hop. Bon, ça, je vous le montre pas, on est d'accord. Hop, hop. Tac! Bille enclenchée, tout est enclenché. Je mets les lunettes de protection au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Oh yeah! Et je vais mettre à tirer là, à peu près, comme ça, vous me voyez là. Ah bah voilà, voilà comme ça, c'est... Attends, attends, attends. Hop! Bah voilà. Alors, vous voyez là? Je vous montre. Alors je vais les viser comme ça parce qu'on ne sait jamais s'il y a un départ de conneries. Hein. Donc là, si vous voulez, hop, vous voyez là, c'est la sécute. Eh bien que vous la mettiez ou que vous la mettiez pas, c'est la merde. Donc, bah voilà. Donc tu vois. Tu vois ton jouet là, Bonner, qui est une marque russe, je crois d'ailleurs. Ça serait bien que, voilà, hein, premier prix, ça fonctionne dès le démarrage. J'ai fait que deux. Attends, on reste là-bas. J'ai fait que deux chargements, moi, quand j'ai fait la vidéo. Après, j'ai enlevé le CO2, tu vois. Et après, il y a juste des amis qui sont venus. Je mets ça dans les mains d'une femme, la femme de mon ami, là. Elle a tiré 4 fois et voilà. Et je veux dire, c'est pas, tu vois ce que je veux dire, c'est pas une mauvaise manipulation. Elle a très bien tiré dans les règles et tout. C'est que, bah, elle ressort ou je sais pas quoi. Tu vois, la queue de détente, il y a un souci. En tout cas, la sécu, elle marche plus. Enfin, il n'y a plus rien qui marche, tu vois. Voilà. Voilà, merci. Alors, 29 balles. Bon. Alors, par contre, par ces mesures de sécurité, je vais toujours l'orienter par là-bas. Je vais juste virer les billes, hein, si j'arrive. Voilà. Et puis bah, je vais dévisser la CO2. Donc on a claqué une CO2. Voilà, merci d'être venu. S'il te plaît, tu peux en redire. Voilà. Donc, pour vous dire que ça, bah, je suis dégoûté. Parce que c'était bien parti. Paf, c'est hop, bon plastique, mais ça faisait cheap. On était bien. Voilà, quoi. Je veux dire, tu mettais tes bibis, CO2 caché, la crosse, paf, tu la refermais, pouf, que de détente a été bien, la sécute sur le côté, là, a été bien. Enfin, voilà, tu vois. Et du coup, bah, voilà. Voilà ce qui se passe. Donc il marche plus. La bête ne marche plus. Voilà. Donc je me devais de vous faire cette vidéo. Eh bien, pour vous dire que je sais pas, hein, j'en sais rien où ce leur sort là-dedans. Qu'est-ce qu'a cassé ce genre? Rien à foutre. De toute façon, ça se démonte pas. Si tu le démontes, le truc, tu le casses en deux, tu le fends. Donc c'était juste pour voilà, vous dire que attention. Dites-moi dans les commentaires si, avec votre expérience, vous avez eu justement bah, des petits problèmes avec ça. Et puis voilà, mais moi je suis obligé de vous le dire. Vous voyez, je vais pas vous laisser une vidéo en bas. J'ai valorisé l'arme, mais après je peux pas vous dire ah non, j'ai jamais eu de problème et tout. Bah si, tu vois, j'ai tiré 2 chargeurs plus un avec une autre personne. Bah il a claqué. Mais avant de claquer, c'est pas genre j'avais plus rien dans la queue de détente, hein, et la sécu ne marchait pas. C'est que ça faisait des. Vous allez voir dans les commentaires, les gens ils vont se reconnaître qui étaient avec moi, ils vont rire.
Ce que j'avais déjà, je ne sais pas le faire. Et puis voilà. Mais... Donc voilà. Donc le PMX, s'il marche encore chez vous, très bien pour vous. Moi, il ne marche plus. Il est claqué. Puis bon, je lui ai 29 balles. C'est bon, quoi. Je ne vais pas non plus commencer à le démonter pour. Par contre, la garantie. Ah bah oui! Donc voilà. Mais il fallait que je fasse la vidéo avant, parce qu'après, si s'en va. Bon, ben voilà, les amis. Bon. C'était cette vidéo juste pour vous dire bah, déception totale parce que accessible, prix intéressant, même prix très agressif, on peut s'initier au tir et là finalement tu dégoûtes quelqu'un, tu vois, tu tires avec, tu dis bon déjà c'est cheap, mais en plus ça fonctionne pas dans le temps. Non vraiment pas du coup. Hein. Donc voilà, c'est un peu rincé quoi. Bon les amis, je vous laisse. Enfin les amis, mes amis youtubeurs, je vous laisse. Et puis bah, l'achetez pas. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. N'achetez pas. Moi, j'ai plus aucune confiance envers ce modèle. Je vais réessayer la même marque avec un autre modèle. Et puis, ce n'est peut-être pas de chance. Mais là, celui-là, bah, il est claqué. Hein, c'est tout. Hein. Il claque. Allez, je vous abandonne. Peace!